brille. De sécurité est désactivé et notre bilan de santé est bon. Hourra pour la justice dans toute sa splendeur et sa gloire. Ouais, le problème, Justice Boy, c'est que tu as aussi coupé le SCV, ou système de confinement des vilains. Et c'est grave? Non, c'est grave que l'odeur de l'homme sirène. Oui, mon odeur. Oh non, apparemment, un vilain s'est échappé. Pardon? Un méchant est-tu sorti? Qui est-ce? Madre, le flet atomique, la bulle infernale? Non, pire que ça. Ton ennemi juré, Crevette. Crevette! On m'appelle? Ah, je croyais que c'était des super-héros, mais tout ce que je vois, ce sont deux bouts de bois flottés. Oh, Crevette! Jamais je ne pourrais te le pardonner! Mais qu'est-ce qu'il a fait? La pire chose imaginable, il a lavé tous les vêtements blancs de l'homme sirène avec une chaussette rouge. Toutes mes possessions sont roses. Roses! Quel cauchemar! Eh bien, moi, je trouve que le rose te va très bien. Tu penses? Mais oui, ça te va nu-pied. Oh! Mais c'est quoi ce truc jaune? Une moisissure? Mais non, je suis une éponge! Ce sont pas les mêmes molécules! Pas les mêmes molécules! C'est cela, oui, c'est cela. Merci pour le cours de science. À la prochaine, Rosette. Parlez cette mère! Crevette! Je ferai tout pour que tu sois capturé. Mais je dois d'abord passer de mon identité secrète à celle d'homme sirène! Tu n'as pas d'identité secrète, vieux fou. Bob, occupe-toi de Crevette pendant que je gère ça. Je te vengerai, homme sirène. Une brise printanière. Aïe! Aïe! Thank you.
recommence. Ce n'est pas juste. Je suis gelé de partout. Serait-ce la fin de Crevette? Crevette ne fera plus de tort à personne grâce à toi, Frankie. Ouais, c'est Bob l'éponge. Oh, regarde, j'ai trouvé ça dans mon tiroir à chaussettes entre deux paires roses. C'est une autre spatule dorée. Merci, homme sirène. Tu resteras toujours un modèle de gentillesse et de bonté pour moi. T'es encore là, toi ?